travaillé à quelques endroits comme menuisière. J'ai commencé sur un chantier de construction de condos. J'ai peut-être fait un mois et demi là-bas. Ensuite, j'ai travaillé un an dans la finition d'escaliers, c'est-à-dire toutes les contremarches, les marches, les rampes. Qu'est-ce qui est de l'escalier. J'ai fait ça un an, puis après ça, j'ai commencé ici dans un atelier de décor. Puis c'est vraiment ici que je préfère parce que c'est tellement varié. J'ai pas le temps de me tanner de qu'est-ce que je fais. Je commence toujours quelque chose de nouveau. Puis comme on le monte en atelier souvent les décors, ben on peut voir tout de suite le produit final, qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est les murs pour l'opéra. En fait, l'atelier lyrique, on les installe à terre pour que ça soit plus facile à assembler, puis ensuite on va les lever pour continuer des ajustements. J'ai choisi de travailler dans ce milieu-là. C'est un peu par hasard que je suis arrivée ici. En fait, c'est que j'ai toujours aimé construire, que ce soit en Lego, pour les poupées ou... Ça remonte à quand j'étais vraiment jeune. Puis, en fait, j'ai fait un DEP en charpenterie-menuiserie. Puis, sur la construction, c'est un peu difficile de rentrer là, surtout pour une fille de mon format. Alors, j'ai vu l'annonce dans le journal ici. Puis, de la menuiserie d'atelier, c'est des décors de théâtre, d'émissions de télévision. Puis, finalement, c'est ce que je préfère faire par rapport à la construction qui est... À la longue redondance, ici, je fais jamais la même chose. J'ai été bien accueillie dans le milieu parce qu'il y a quand même plusieurs filles qui font le cours de technique de scène. Alors, il y a quelques menuisières qui étaient déjà là quand je suis arrivée à l'atelier ici. Sinon, sur les chantiers, évidemment, la première réaction, c'est la surprise parce que je suis quand même assez petite, alors que j'ai envie de faire un métier comme ça, c'est un peu surprenant. Dans la vie, j'aime beaucoup observer. Je pense que je suis quelqu'un de très lunatique, puis en même temps, je regarde vraiment tout. C'est pour ça peut-être que mes décors sont bien faits, parce que je porte vraiment une attention à chaque petit détail que d'autres n'auraient peut-être pas vu. Aussi, j'aime observer les gens dans la rue, comment ils agissent ensemble. J'aime observer la nature aussi, la peinture. Je suis une grande contemplative. Ici, j'aime ça parce que c'est pas juste de la construction, mais c'est aussi artistique. J'aime ça aller à des expositions, juste regarder, contempler des fois. Ce que je souhaite pour l'avenir, en fait, c'est juste de continuer à faire ce que j'aime, que ce soit en ce moment, c'est la menuiserie, j'adore ça. J'en parle presque tout le temps, c'en est fatigant pour les autres. Peut-être que l'année prochaine, ça va être autre chose. J'aimerais vraiment beaucoup voyager aussi. Puis, en gros, ben dans le fond, je suis heureuse comme ça, mais ça serait juste un petit plus. Dernièrement, j'ai décidé de retourner à l'école, en fait, de m'inscrire à l'université, puis ça m'a apporté une très grande joie de prendre une décision aussi... c'est pas facile, décider de retourner à l'école, puis une fois que j'ai fait... j'ai envoyé ma demande, j'étais tellement soulagée, ça me rend vraiment heureuse de, même si je commence pas tout de suite, savoir que je vais y retourner. Je vais retourner sûrement en génie de la construction à l'ETS, dans le but d'être ingénieure.
ça, ce dont je suis le plus fière, c'est d'être arrivée à être heureuse par moi-même. Il y a beaucoup de gens qui attendent que quelqu'un les rende heureux ou qu'une job les rende heureux. Moi, peu importe qu'est-ce qui arrive dans la vie, même si c'est pas super le fun, je suis quand même heureuse de où je suis arrivée puis d'être positive quand même parce qu'il y a toujours quelque chose de bien qui va finir par sortir d'une situation.